Cette capsule est une présentation de Technique, grand formateur de conducteurs. Cette semaine, Jocelyn Thibault est de retour avec nous. Jocelyn, aujourd'hui, tu veux nous parler d'une situation dans un match qui arrive fréquemment pour un gardien de but. Tu veux nous parler de tir dévié. Oui, tout à fait. Tir dévié, une situation qui arrive très, très souvent lors d'un match. On va donner des conseils aux gardiens de but, justement, pour faire les arrêts de façon plus facile, mais aussi être en contrôle de la situation. Parfait. On regarde un exercice tout de suite. Samuel, on va parler du tir dévié. Okay, une situation qui arrive super souvent dans un match. Il y a plein de choses qui sont importantes. Mais dans les choses importantes, la première, c'est d'identifier la situation. Si on veut vraiment identifier, est-ce qu'il y a un joueur devant nous qui est un danger, justement, de dévier la rondelle? Ça, c'est sûr qu'en partant, il faut identifier la situation. Par la suite, un des principes de base, c'est qu'il faut se coller à l'obstacle. Plus près qu'on est de l'obstacle, de la palette du joueur, du patin du joueur, dans la limite, si le joueur n'a pas de bâton, c'est vraiment de se coller sur l'obstacle et justement de laisser moins d'espace à la rondelle de se diriger dans le filet. Et puis l'autre chose, en même temps, le troisième point qui est important, c'est d'être autant que possible arrêté sur le lancer. Pourquoi? Parce que quand on arrête sur le lancer, on est en mesure, d'un, de faire un arrêt compact, de faire un arrêt plus compact, mais aussi de réagir sur une situation de retour. Ça arrive très régulièrement que les gardiens de but, qu'est-ce qu'ils font comme erreur, c'est qu'ils glissent sur un lancer dévié, ils glissent vers l'obstacle, puis oublient d'arrêter. Donc, en ce moment-là, d'un, tu as moins chance d'être compact, mais aussi, tu es en situation difficile pour faire un arrêt sur le retour. Donc, on essaye ça? Oui. Good. Excellent, Samuel. Super. De un, regarde, tu as bien identifié ta cible, tu as poussé vers l'obstacle, mais aussi si tu étais arrêté sur le lancer, ce qui était important. Donc, tu n'as pas dévié, tu n'étais pas sorti du jeu. Puis l'autre chose aussi, c'était très compact sur le lancer. Il n'y avait aucun espace pour la rondelle de passer entre tes deux coudes, entre tes deux bras, entre tes deux genoux. Vraiment, c'était très difficile pour le joueur, justement, de marquer un but là-dessus. Tu étais extrêmement bien positionné. Fait que, good job, on ne lâche pas. Essaye d'arrêter quand tu pousses, vraiment essaye d'une bonne poussée, toi, rapproche-toi un peu, exactement. Quand tu pousses, vraiment, essaye d'être arrêté pour le lancer. C'est bon? Excellent, Samuel. Donc, Jocelyn, après cette belle démonstration de Samuel, c'est quoi les points importants que tu veux qu'on retienne? Bien, en fait, le point le plus important, c'est de se centrer avec l'obstacle. On veut vraiment centrer notre logo, le logo sur notre gilet. On veut vraiment qu'il soit en ligne avec l'obstacle. Pour ça, bien évidemment, il faut identifier l'obstacle, il faut pousser dans la bonne direction, il faut être arrêté pour faire l'arrêt. Et très compact, évidemment, pour que la rondelle passe. Donc, Samuel a très bien fait ça. Un gros merci. Good job, Sam. À la semaine prochaine. Cette capsule est une présentation de Technique, grand formateur de conducteurs.